Quand l'étoile noire a été détruite, la moitié de la 501e se trouvait encore dans le hangar. Ils n'avaient pas eu le temps de regagner leur vaisseau. Et parmi ceux qui ont réussi à décoller, un bon tiers a péri dans l'explosion. Quand je pense que je côtoyais ces gars depuis plus de 20 ans. Ceux qui ont survécu ont rejoint la flotte impériale et mené les représailles contre la base rebelle de Yavin 4. C'est sûr, l'opération était un peu brouillon, mais que voulez-vous ? On était coupé de notre hiérarchie, à bout de nerfs, et on fonctionnait à l'instinct. Sans notre entraînement, je parie qu'on n'aurait même pas franchi leur défense orbitale. Fire on flight deck, aft! Their heavy transports are trying to go around us. Destroy them before they can jump to hyperspace. Monster reinforcement! Send their forces off to wreak havoc in other parts of our galaxy. Destroy them. Miners sneaking up on you. Are harassing our fighters. Show them no mercy. To make the jump to hyperspace, they'll rip right through us. Clear their fighters out and be quick about it. We haven't any time to spare. Take that bomber! Operational. Switching.
Target that fighter and take her down! Well done, pilots. We need to clear a path for our frigates to cover you. Use a TIE bomber to destroy their heavy turrets. Report to the hangar area. Well done, Lieutenant. After those engines, men. They can't jump if they haven't any engines. Take out that bomber! Victory is ours, men. Dispatch the 501st to the planet's surface. Yavin 4 will fall before the day is done. La bataille de Yavin était terminée. Il paraît qu'on a détruit plusieurs centaines de vaisseaux rebelles ce jour-là. Et même si on en avait détruit des milliers, ça n'aurait pas fait revenir tous les gars qui avaient péri à bord de l'Étoile Noire.